Ok, on est parti. Ils sont au bout C'est bon. là? Oh, c'est la map horrible! Ok, alors du coup, où est-ce qu'on en est rapidement? Première map, Ah, donc il y a qu'est-ce déjà. qu'ils voient déjà? Attends, ça lag. C'est bon. Je vais se faire De quoi? le spec. Attends, mais est-ce qu'ils voient déjà sur. Oui, il voit, Ok. t'inquiète, Ok! t'inquiète. Eh bien, écoutez, c'est la map qu'on a fait la semaine dernière. C'est celle où il y a les sauts un peu random au début. Est-ce qu'il y a eu des chocs? Il y a eu quelques chocs, Il attends, y a je eu vais juste quelques chocs, repasser mais un c'est peu mon pas plan. très massif quoi en termes de différence non plus. Car les premiers pour l'instant, à égalité avec Papou, ou alors pas loin de Papou. Donc ça c'est une map où on avait parlé justement avec Karl et Bren. Et Oh je là veux là, juste Papou! débrancher. Oh aïe aïe aïe! Ok, ça passe. Je débranche ici. Ok, on avait parlé avec Karl et Bren, justement ils expliquaient que la map est extrêmement random. C'est-à-dire que... Oh Bren! Bren il le fait! Le fameux 3-6! Oh là 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 là! Il le fait! Le Il l'a. monstre! Attends, Il le fait! Il doit finir top 3, Il le fait! Ils ont parié 100 balles sur ce 360 hein, hein. avec Karl. Hein. Il est passé? Il est passé, Ok, hein. j'ai pas vu. 100 balles s'il le fait et Oh qu'il termine yes, top 3. Krapi qui perd pas mal de vitesse en ralentissant, mais Et non, qui fait top finalement. 5, je crois. Krapi qui vient de doubler Bren sur cette action. Attends. Ouais, Petite. il vient de doubler Bren. Et putain, il l'a mis dans le vent en plus, hein. J'ai un tour d'avance hein, pour Karl. Quelques coups de coude avec Papou. Ah, y'a Papou qui colle Karl. Mais Karl, c'est le dernier tour là, c'est le dernier tour. C'est ce passage-là qui est. Ah bah c'est fini. Ah bah c'est C'est fini ce en fait, ouais. passage-là en question qui est particulièrement Ah non, mais il l'a complexe. fait sur le dernier tour. C'est un Il fou l'a fait furieux sur le quand dernier tour. même. Il a fait son 360 sur le dernier tour. Il a vraiment no chill. Oh, du coup, Karl qui finit premier sur cette course. Papou, Scrappy, Bren, Kappa, Pac, Rollin et Danigby. Est-ce qui Danigby, c'est un nouveau? Non, non. Ah, quoique. Danigby, ça me dit rien. Attends, je crois qu'en gros, Sky a été remplacé. Donc, comme on disait, on a parlé Caleb Bren. En fait, Sky a été du coup est out de la compète. Donc, il y a un nouveau joueur qui est arrivé. Et ceci, ce soit Danik. J'avoue que c'est non, c'est pas Massa. Il y avait pas Massa avant. Pour le joueur Peut-être. Vig. Oula, mais il y a plus de cœur maintenant, regarde ça. Oui, il y a plus de cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est fou. Il y a un top 8 des cœurs. C'est fou. Go Carl JR! En fait, je sais pas si c'est activé sur le chat. Doit être C'était pas activé, non? écrit Go Carl Jr. Attends, je veux juste. Ça doit être activé. Et on a des problèmes de FPS. Comment ça se fait qu'on ait des problèmes de FPS sur Trackmania? Pas un jeu très demandant. Non mais en fait c'est sur ce PC là en gros quand les jeux ne sont pas en plein écran ils lag malheureusement. Ah, Alors, du bah coup on avait perdu de mettons-le en plein FPS. écran alors. Et il est en plein écran là justement. En Eh, fait. il lag quand même. Non là il. Non normalement c'est Hop. OK. Vas-y tu peux relancer TM. À droite, à droite. C'est ça. Voilà. Donc là on est dans le warm-up. Du coup map map déjà faite la semaine dernière, celle-ci, je crois que c'était Cap qui l'avait gagné, étant donné qu'il a quasiment tout gagné si je ne dis pas de bêtises. Alors celle-ci je l'ai pas vue parce que j'ai pas vu la semaine dernière. Ok. Attends, mais on l'a fait celle-ci, non? Oui, celle-ci, on l'a joué un Ouais, petit peu. ouais. On a joué un peu toutes les maps. Le passage est un peu complexe ici, j'avoue. Z Burst. Alors attends, comment on change? C'est avec. Non, ça c'est les câbles. Tu veux changer quoi les joueurs? Ouais. Ça, la souris, je crois. T'as la souris? Ok. Le truc, c'est que cette souris, elle a 6000 de sensibilité, quoi. Tu Non, peux. t'inquiète. Tu appuies là. Et là, elle devient. Elle est mieux? Oh là là Là, c'est trop? là. Ah oui, d'accord. Ouais, y a pas d'entre deux, quoi. C'est soit extrêmement lent, soit Ah non, je extrêmement suis rapide. navré. Et du coup, on a aussi le retour de Scrappy, hein. Scrappy, le petit prince. Scrappy qui n'était pas là la semaine dernière, qui avait pris. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il n'était pas disponible, mais en tout cas. Scrappy qui n'était pas là, et donc le passage en question qui est assez compliqué. On en parlait notamment avec Karl et Bren, et il disait que cette map était très dure parce que le passage, le moment où tu dois prendre le cut, donc le gem qui vient de passer, est très random en fait. Et du coup, c'est très complexe pour les joueurs d'aller chercher. D'aller chercher une régule là-dessus, et ça peut vraiment beaucoup jouer parce qu'on était un peu obligé de prendre le cut. Ouais, Karl qui prend les bonnes courbes là, qui ne perd pas trop de vitesse. C'est le warm-up, hein. Pas Je sais, mais c'est bien joué, hein. C'est bien C'est quand joué. même bien joué, il faut le dire. C'est bien joué. N'hésitez pas, les amis, à mettre Go Karl JR ou Go Bren dans le chat ou Go, le joueur que vous voulez, mais. Mais surtout Karl JR ou Surtout Bren. Karl JR ou Bren. Oh Oh non, la Tout cata! le monde l'a dépassé! Karl Junior qui passe quatrième sur cette action. Et Bren qui, normalement, a remporté 100 balles, hein, d'ailleurs, parce qu'il a fini 4ème de la game d'avant et il a réussi à faire le Mais du coup, c'est 3-6. Karl qui a gagné 100 balles parce qu'il a fini premier. Et qui Mais il donnera va reverser son pot à Bren. à Bren qui a tenté le 360 et qui a fini quatrième. C'est fou. C'est quand même habile. Ok,
final, pas besoin d'être très très rapide tout le temps, il suffit de placer un bon 360 bien parié. Bien visé. Bon, on est arrivé un peu en retard sur la première game, il reste 1 minute 50. Il nous reste un petit peu de warm-up. Et je suis quasi sûr que Danik Pi, je l'ai pas vu. Hein. Après, Massa, je l'ai pas vu non plus quoi. Ouais, Massa, c'est sûr. Z-Burst. C'est possible qu'ils aient remplacé d'autres joueurs. J'ai l'impression qu'il y a eu des remplacements, hein, parce que Z-Burst, ça me dit rien. Ça te dit ? Ok. Ça, le reste, ça me... Massier, ça me... Alors, il y en a qui... Même Rollin ? Si, Rollin. Rollin ? Ok. Que j'ai vu 3 semaines sur toutes, moi, donc je suis pas non plus extrêmement au courant. Juste Massa, ok. Massa a gagné le qualifier, elle a pris le place de Sky. Ah, ils ont refait un qualifier juste pour remplacer Sky. Ouais, c'est vraiment le petit prince Sky, hein, genre. Bah après c'est normal, en mode... Sans passer les couilles, il était là, ouais, flemme. Non, non, je pense pas qu'il était en mode flemme, mais... Il en avait, il était done peut-être. Les résultats, après je sais pas exactement quand c'est passé, mais... Les résultats étaient peut-être... Peut-être l'investissement du joueur était pas celle escomptée par Nadeo. Je sais pas du tout exactement comment ça s'est passé. Mais du coup, ouais, donc on a l'arrivée de Massa. Massa qui a fait top 10 la game d'avant, enfin la map d'avant, pardon. Je sens que la map d'avant était vraiment... Bon, ça c'est Chum qui s'amuse, hein. La map d'avant était vraiment très très complexe, enfin c'était... Il y a beaucoup d'aléatoires, et c'est vraiment... Tout est sur la gestion des petits jumps. Ah ouais, merde. J'ai oublié. Sans avoir le micro. Je disais que c'était un gros gamos. Quelle belle voiture, elle va si vite, hein. Vous vous rendez compte? Elle est si véloce. Ouais, le passage complexe est ici, mais je crois que j'ai l'impression que maintenant, avec une semaine de plus, les joueurs ont réussi à le réguler déjà beaucoup plus. Allez, ça va commencer dans 11 secondes. Bah, ça est très chaud. En vrai, il y a que des joueurs très chauds, quoi. En vrai, est-ce qu'il est très très chaud? Parce qu'en fait, il y a les mecs très très chauds. C'est genre Karl, Scrappy et Pac. Ce sont quand même les mecs très très chauds. Et après, il y a les tiers qui sont un peu en dessous. Et Massa, pardon, je ne sais pas à quel tiers il appartient. Bah, on va voir, on va pouvoir découvrir aussi un petit peu le joueur. Le départ en tout cas de la course, deuxième map donc. Le passage est un petit peu complexe, il n'y a pas tous les joueurs qui prennent le premier poteau. Ah ouais, il y en a qui prennent c'est intéressant. En plus. Attention. Ça doit être un peu plus safe. Ouh, ok, Gatchock mettre... déjà. Ah, il a touché. Pac qui est premier, Massa, Cap. Bon, ça c'est très serré. On va revoir qui est le premier à faire des erreurs. De toute façon, là, c'est tellement stack que la différence ne va pas vraiment se faire à celui qui va le plus vite, mais à celui qui fait la plus grosse erreur. C'est tous des joueurs de gros calibre, hein. Du coup forcément ils savent tous comment optimiser la map, ils ont tous un très bon PB là-dessus. Le truc c'est juste d'être aigu et de pas faire d'erreur sur les 10 rounds. Et Pac il est quand même plus rapide que les autres. Hein. Ouais. Et là ça va être le moment difficile du coup, le moment vraiment complexe de la map, parce que tout le monde va réussir à le passer. On a Pac qui passe, on a Papo qui passe, on a tout le monde plus ou moins qui a réussi à aller choper le cut. Et Pac commence à prendre une petite avance sur la map. Et c'est pas grand chose, mais c'est quand même une demi-seconde. Hein. Demi-seconde, c'est quand même pas mal, hein. Sachant qu'il l'a fait en ça sur un tour et qu'il y a 10 tours. Hein. Ouais, vraiment conséquent. Et le jump qui va être bien pris, personne va rentrer la tête la première dans le mur. Oh, et Karl qui vient de dépasser Papou grâce à sa voiture Solari, le monstre. Ouais, les courbes sont bien prises hein, quand même. Ouais. On a eu un peu le airtime est moins important. On a eu un petit choc aussi de Bren qui se retrouve du coup à la 13ème position. Ouais, ouais, mais il est quand même à seulement 3 secondes. Il est pas au tiers de Danik Pi et Z-Burst qui eux. Ouais, Z-Burst qui a déjà 16 secondes de retard. Ah, il a dû faire un gros choc. Non, il a dû rater en fait. Il a juste dû rater le jump au niveau du Z-Burst. Ouais, 16 secondes, ça va être chaud à rattraper quand même. Hein. Ouais. On risque peut-être de voir Karl qui va qui va tout péter. Passage. On a Pac qui passe, on a Karl qui passe. Ça va être assez bien maîtrisé pour les joueurs quand même. Hein. Pac il reprend un peu de terrain à Pac là-dessus. Ah, les deux qui sont très solides. Hein. Est-ce qu'on irait pas voir Bren pour voir ce qui se passe avec ça? Vas-y. Comme ça. Je pense que tu peux. Ah, ils sont pas très très Bren loin. Bren qui non est plus un peu derrière, Bren qui a besoin de récupérer 3 places s'il veut garder ses 8 points. Il va falloir jouer agressif. Hein. Il a le temps, hein. C'est encore que le 3ème tour. Oui, évidemment. Il va falloir jouer agressif pour remonter. Oh, c'était agressif justement. C'était pas Bren qui est juste derrière Scrappy. Scrappy qui aussi a fait une petite erreur du coup sur la map. Ah, Scrappy qui nous habituait à un top 8 au moins. Ok. Est-ce que c'est. Ouh là là. Ouh, oh c'est pas mal en fait. Oui, c'est du coup avec son road jump il atterrit dans l'angle
Exactement, ça limite son airtime. Et du coup, ça lui permet de dépasser Scrappy. Peut-être qu'il va pouvoir aller chercher Dunst aussi. Bren qui est en train de faire une bonne remontée là-dessus. Hein. Allez, allez, oh dommage, il se fait doubler par Scrappy. Passer de loin. Karl qui a fait une petite erreur aussi. Karl qui a perdu pas mal de place là-dessus. Ah oui, Karl qui a fait un petit choke. Bah, il est déjà remonté, 3ème place. Oh, mais il y a quand même une grosse, grosse différence quand même. Hein. Pack qui met tout le monde dans le vent là. Hein. Regardez, ouais. 7 secondes, 6 secondes. On va aller voir un peu. On va aller voir Massa, tiens. Massa, le petit nouveau. Attention à ce qu'il va être sensible à l'œil de Dieu, le stream. Ah, nous sommes là, Massa, nous te regardons. Pas de pression, évidemment. Et le airtime qui est comment là? Le airtime qui est un peu. Non, c'est à peu près semblable aux autres. Karl JR qui lui est devant, juste derrière Rollin et Pac. Pac qui a pris une bonne avance, hein. Pac qui ne fait pas d'erreur sur cette map. Est-ce qu'il l'avait déjà gagné? Je crois, je suis pas sûr honnêtement, je pourrais pas dire. En tout cas, Pac qui est très solide, hein. Très très solide depuis 2-3 semaines là particulièrement. Il avait fait quelques chokes sur les premières semaines, mais là il évite de perdre ses points sur une map. Enfin, il arrive à se maintenir toujours moins dans le top 8. Et plus que ça, il fait très très souvent, des top 1. Ouais, c'est vrai que les top 1 se partagent souvent entre Karl et Pac. Un Pac qui est vraiment on fire hein, ouais. En ce moment. Bah, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que c'est plus Pac qui fait de top 1 que Karl. Je sais pas, ouais. J'ai pas la stat exacte. Hein, mais... bah, du coup, pas sur la map d'avant, étant donné que c'est Karl qui a pris la première place. Mais en tout cas, sur les deux dernières semaines, effectivement, Pac qui avait fait de très 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 bonnes courses. Après, Karl qui disait que la map d'avant était random, finalement, pas tant que ça, hein, parce qu'on n'a pas eu trop de choke, j'ai l'impression. Bon, On est arrivé à la fin, tard. Entre guillemets, mais on n'a pas vu non plus énormément de choke. Je pense qu'ils peuvent limiter le choke, mais en fait c'est plus tu vois, en termes d'opti, en mode si vraiment, au moment des gems, si vraiment tu vas pouvoir le prendre bien, ça va être quand même assez aléatoire. Tu vas pas forcément te crush, mais... Karl qui double Rollin, où on est le petit passage sous... Où on est Bren, oh, Bren qui a fait une remontada incroyable. Qui est maintenant dans le top 5, je pense que le top 3 va être dur à aller chercher, à part s'il y a vraiment une grosse erreur. Après ouais. Il reste quand même 5 tours, hein, c'est pas du tout impossible. Ah mais c'est, cette carte, on sent vraiment que tu ressens la différence de level entre bon Beats qui est un peu loin. Pareil pour Z-Burst, Tanik qui est à 16 secondes du 8ème. Ouais, ah, même c'est... Ouais, mais attends, mais pas qu'il va doubler Beats là parce qu'il en est où. Ah regarde-le. Attends, mais il a déjà joué. Eh oui. Oh putain, mais pas qu'il rigole vraiment pas hein. Ouais, il a déjà pris un tour d'avance à Beats. Oh là, Scrappy qui a Dell. Oh. Scrappy qui est Dell. Ah, Scrappy qui ne pouvait pas aller chercher le top 8. Il a pas Dell, il a juste reset, non? Il est plus là, Scrappy. Si, ah, s'il est là, autant pour moi, je le trouvais plus. Ah, Scrappy qui est toujours dans la course, toujours top 6, je l'avais pas vu. Il a choke le cut, hein. Je crois qu'il a raté le cut et du coup il a perdu quand même pas mal d'avance sur le reste des joueurs, et ce qui va lui fermer un petit peu cette possibilité d'aller chercher le top 3. Oh là, Scrappy, oh, c'est non. La cata. Ah, ça c'est dur. C'est la cata, il passe derrière Papou. Du coup, il va passer. Oh, il a passé de vitesse. Tout le monde le double, Scrappy, la catastrophe. Il va réussir à passer, à récupérer. Du coup, là, on veut vraiment aller chercher le top 8 pour le joueur. C'est encore faisable, hein. Il est qu'il y a une seconde 5 de retard. Oh là là, sur Massy. La disparité est insane. 22 secondes du premier, le top 8. Et Karl qui est en train de faire une remontada des enfers. On qui a plus qu'à 0,77 secondes de pack. On a Beats aussi qui essaie de se battre. Allez, Beats qui va essayer de doubler pack. Beats dans une course parallèle. Et le moment du cut, le moment du Zeppelin, le moment où les joueurs perdent le plus d'avance. Est-ce que Pac va essayer de le passer? C'est passé pour Pac, c'est passé pour Karl. Non, Beats qui perd son top 2. Par contre, Beats, malheureusement, il va toucher. Et du coup, ça va être complexe. Hein. Je pense qu'il pourra même pas terminer la map. Je sais pas combien de temps ont les joueurs une fois que tout le monde a terminé. Je sais pas du tout. Mais je pense pas qu'il aura même le temps d'aller chercher les points. J'espère que c'est pas non plus très très long parce que. Non, c'est quoi? C'est 25. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Attends, parce que 25 secondes, il y a peut-être des mecs dans le top 8 qui vont pas finir la map là. J'avoue que là, Massa, c'est pile 25. Hein. Ah ouais, attends, parce que si c'est 25 secondes, je crois que c'est... Je sais plus exactement combien de temps c'est 30 secondes. Attends, parce que... Secondes. Ouais, mais du coup, si c'est top 8, tu gardes quand même tes points, mais t'en marques 0 sur l'étape, quoi. Tu peux pas terminer la map, ou alors tu penses que ça... tu perds quand même tes en points. En vrai, dans l'absolu, enfin, si il n'y a pas la map, il n'y a pas d'histoire de top, en fait, après. C'est tout ce que je veux dire. Ouais, je vois, mais après, en gros, tu vois, c'était en mode, t'es quand même 8ème. Après, j'avoue que... Je sais pas, on verra si ça arrive en tout cas. Massa qui a 24 secondes 7
de Pac et Cal qui a réussi à récupérer quand même son retard malgré son choke. Il est qu'à une seconde, je sais pas si Pac a fait une petite erreur aussi. Ouais, je crois qu'il y a dû avoir. C'est 30 secondes. Il y a dû avoir un mélange des deux. Et là, va falloir jouer agressif parce qu'il reste plus qu'un tour et il va falloir récupérer cette seconde de retard. Il a pas besoin en vrai, je pense, Carl. Hein. Il a ses 20 points. Après, il peut se le permettre étant donné qu'il y a 12 secondes. C'est vraiment. Ah, il peut se permettre de faire une petite erreur. Faut pas qu'elle soit non plus. Faut pas que ça coûte un reset, mais. Bah, après, ouais. Le souci, c'est que quand tu veux petit, forcément, t'es obligé de miser beaucoup en fait pour gagner. Ouais, bah oui, c'est ça. Et du coup, forcément, si tu hit. C'est un peu la catastrophe. C'est vraiment similaire. Hein. Tu regardes les deux voitures, c'est vraiment. Il y a très très peu de différence entre les deux. Hein. Au niveau des déplacements. Merci, récupère un petit peu quand même là-dessus. Allez, c'est plus que 74 centièmes. Oh, est-ce que peut-être il va pouvoir prendre un petit peu plus de temps là-dessus? Il a un bon jump. Oh, c'est pas mal là-dessus. Ouais, t'aimes pas trop dégueu. Allez, il est plus qu'à 0,57. Est-ce qu'il peut le faire? Il récupère petit à petit. Il a amélioré son PB d'ailleurs, Carl, sur celle-là. Quelle vitesse. Il a meilleur son PB, du coup, il a gratté un peu de temps. Ah, oh là, attention parce que Pac là, il est loin. Ouais, pareil, complexe, hein, derrière qui paye Pac. Il peut le faire, on est où après? Oh, Bren qui se bat avec Rollin pendant ce temps-là. On le regardera après. Car les packs pour l'instant qui sont dans un mouchoir de poche. Ah, je pense que ça va être compliqué. Hein. Non, je pense. En fait, la seule possibilité qu'il a, plus ou moins, c'est. Sur le jump. Mais. Je pense que dans tous les cas, deuxième place, c'est fine. Il n'a pas besoin d'aller vraiment chercher. Il n'a pas besoin d'aller chercher vraiment. Il rattrape 0,50. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à faire là? Sur le jump, ouais, ça va être chaud quand même de gratter 0,47 sur un jump, ça me semble beaucoup. À voir si Pac choke et Pac ne choke pas. Ça donc être première place pour Pac, deuxième pour Carl. Mais nous, un petit peu voir si Bren et Rollin. Mais plutôt Rollin, comme ça, ouais, on va pouvoir voir les deux. Rollin qui est quand même pas mal derrière Bren. Ouais, non, ça va être, il y a autant de différence entre Carl et Pac. Bren va-t-il pouvoir passer sa troisième place? Et oui, c'est sécurisé. De fait, Rollin il rigole pas. Ça le prend safe pour Rollin. Il le prend très très safe. Montre les autres côté Kappa. On va regarder Dunst et Kappa. Bon, Kappa, normalement, il devrait l'avoir. On va regarder pour le top. Je pense que ok le top 8. On a vu le timer s'engage au moment où les 8 premiers joueurs sont passés en fait. Ah ouais, ok. Ah c'est vrai que ça fait sens. C'est bien pris par Scrappy. Effectivement, c'est 30 secondes une fois que le top 8 est passé. Scrappy qui malheureusement va perdre ses 10 points, c'est dur. 30 secondes, est-ce qu'on peut voir le combat de Danny contre la montre? Normalement il devrait. Oh attends, parce que. Non, il l'aura pas. Non, je pense qu'il va pas l'avoir. Hein. Ah non, si, il l'aura. Du bâtard quand même. Bah ça va être. Ouais, si. Quand même. Bits. Ouais, Bits, je crois qu'il l'aura pas. Il pourra pas terminer la map à l'heure, Bits. C'était pas sa map en mode. Ah ouais, Bits. Bits, c'est pas grave, c'est pas grave. Focus sur le next. Première place du coup pour Pac qui a fait une très très belle course, suivie de très près par Carl. Et on voit qu'ils ont quand même créé un bon écart avec le reste. Hein. Ah ouais, 14 secondes sur Bren. Et derrière, on voit qu'il y a 30 secondes entre le top 1 et le top 8. Il m'a un petit peu compliqué. C'est dommage pour Scrappy qui va perdre ses 10 points là-dessus, c'est un peu dur. Scrappy qui perd quelques points, après ça reste la deuxième map, il a temps de se refaire. Ouais, clairement. Mais il pourra sans doute pas aller jouer le top 2. Hein. Le top 2 qui va être. D'ailleurs, Dexter a disparu. Après, il est peut-être pas là cette semaine, mais. Dexter? Ouais. Mec, c'est vrai qu'il y avait un mec qui s'appelait Dexter. Je n'ai pas vu. Alors, les joueurs. La nouvelle map, on l'a faite celle-ci? On a dû la faire, je pense. On a fait toutes les maps normalement. Mais... Celle-là, elle était présente la semaine dernière aussi. Et oui, je crois qu'on l'a faite, ouais. Non. La dernière, j'ai pas regardé donc je saurais pas te dire. Ah si, ah si, en plus j'avais regardé. Je me rappelle plus qui avait remporté cette map la semaine dernière pour le coup. Et il y a la map, celle qu'ils appelaient la map trop bien avec les cactus. Ouais, elle est. La map d'après. Ah non, il reste deux maps en fait. Maintenant. Alors. Tu crois que c'était Pac qui avait remporté cette map. Carl avait choke, on dit oui. Est-ce que la map des cactus c'est la map avec la grosse elle il y avait le truc rond là en forme d'arc? Oui, c'est celle-là. C'est ce que je veux dire. C'est la même ou c'était une autre? Du coup ça veut dire qu'il nous resterait ces deux maps si c'était. Non, c'est une autre, je crois. Ok, donc il nous reste ces deux maps. Ce sont des maps plutôt sympathiques à regarder. Ouais. On est assez béni. J'ai cru comprendre qu'il y avait des semaines où les maps étaient pas non plus. Il y en a où c'est pas. C'était du tournage en rond quoi. Ouais. Il y a pas toujours des maps entre guillemets impressionnantes. Ouais. En même temps c'est normal. Ah ouais, bah après faut des maps. Tech. Ah et de la dirt hein, c'est. C'est Papou qui est content là. Papou c'est le joueur dirt on m'a dit. Ouais. C'est vraiment son petit milieu de prédilection à Papou.
Et je crois que Karl, c'est vraiment pas un joueur d'Earth par contre. Hein. Ah ouais, là j'avoue que ça se voit quand même. Non, non, mais. De comment. À chaque fois il y avait des Trackmania Cup, Karl était vraiment pas content quand il y avait de la Dirt. Donc peut-être que. Il est super pas joueur d'Earth. Après, peut-être qu'il est giga fort et du coup, bah, il est joueur de tout. Mais. Après, t'as toujours. Il y a quand même ses préférences, quoi. Ouais, voilà, t'as toujours forcément tes préférences. Une certitude. Karl déteste la Dirt. Ok. Karl, il aime bien quoi? Il aime bien. Oh, ça aide du côté de Papou. Ça s'appelle comment le terrain de base? Le bitume? Je sais plus c'est quoi le terme en anglais. Personne joue Dirt. Bah, Papou joue Dirt. Tech. Tech. Ah, c'est Tech? Ok. D'accord, ça s'appelle Tech. Ok, je sais pas. Je crois que Tech, c'est parce que c'était des maps techniques. Je croyais vraiment que les techs c'était des maps techniques. Bon bah maintenant je le saurais hein. Non mais c'est bien, y a pas, on apprend tous les jours. Y'a pas de honte hein. Ok. Les caster pro, ah oui, on n'est pas caster pro, clairement pas. Non, je suis pas caster professionnel de Trackmania. Je suis un casual. Je regarde les Trackmania Cup. Bah c'est ça. Ah bah voilà, j'avais raison. Après ça s'appelle Tech, donc forcément Mais moi je vous parlais de ça là. Regardez, ça au sol, vous voyez ma souris? Ça au sol, ça s'appelle le Tech? Je sais pas le terme, je crois pas que ce soit ça, mais c'est... C'est pas, je sais pas. Ayako, ce que, sur quoi il roule actuellement, c'est le Tech? On peut te faire confiance. C'est toi, on peut te faire confiance. Dis-nous tout. De la route. Super, le joueur route. C'est un bloc route. Ok. De la route. Ok, bon bah. Je sais pas, ça pourrait s'appeler. La road. Vu que ça s'appelle la dirt. Il y a des gens qui disent la road. Tech, c'est un style. Bah ouais, c'est ce que je disais en plus. Et c'est quoi le contraire du tech du coup? Le contraire? Bah, est-ce qu'il y a tech? Bah, ça dépend, il y a full speed, enfin FS, genre en mode où tu sais, full speed c'est tu dois jamais freiner. Ouais. Comme le nom l'indique. Ouais. Et après, je sais pas, je connais pas les différentes appellations des maps. Ok. Je sais pas s'il y en a d'autres. Full speed c'est le contraire. Le pas tech. Ok, on est parti, le pas du warm-up. Let's go. Ah, c'est parler des full speed et des tech. De route. Donc, troisième map, 32 points pour Karl, 26 points pour Pac, 18 pour Brain, coude à coude avec Papou. Alors. Et je crois que cette map, si j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est peut-être pas celle-là, mais une map où Papou était extrêmement bien placé, il avait fait un gros choke, et je crois que Cap. Enfin, Pac, pardon, putain, je confonds toujours les pseudos. Pac l'avait remporté, je me demande si c'est pas cette map-là. Pour l'instant, pas trop de différence. C'est une map très orientée dirt, pour le moment, Papou qui mène, hein. Papou qui montre que c'est lui le boss sur la dirt. Là, ça va être là où la différence. Ouais, là, le jump, on peut clairement faire la diff, on voit. Bah, Karl qui le prend très bien. Côté Karl, le joueur route. On voit c'est Massa, hein, Massa qui a réussi à le prendre au mieux et qui du coup va récupérer cette première place pour le moment, le petit passage en roue libre. Ah là, faut pas perdre trop de vitesse dans la roue libre. Oh là là. C'est dans un mouchoir de poche, mais Karl qui a un peu plus de vitesse que Pac, j'ai l'impression, que Cap. Ouais, c'est la voiture, hein. C'est la voiture, ça. La voiture, l'aérodynamisme des ailerons. On repart sur la dirt. Alors, où en est notre ami Bren? Bren est un peu derrière, mais là pour l'instant c'est juste un gros peloton. Y a pas encore eu d'échappée. Non. Ah, il y a un petit échappé par l'arrière de Dust. Ah, malheureusement. Mais il est encore au coude à coude. Hein. Quand même, déjà, sur un tour, il y a déjà 3 secondes de retard hein, entre le 14ème et le 1er. Ce qui est quand même assez conséquent. Ouais, clairement. Clairement. Il n'y a pas trop de potentiel de fail à part du coup là-dessus. Ah, c'est surtout de l'opti ici sur le jump et après. C'est qu'il n'y a pas vraiment de moment clutch, on va dire. Voilà, Bren qui l'a pris très très long. Hein. Bren qui l'a pris très très long. Quand même top 11. Bon, on est Karl du coup. Au coude à coude avec les 4 premiers. Massa qui a réussi à garder sa place derrière aussi. Hein. Papy et Kappa. Rolin est où par rapport à tout ça? Rolin est, il est pas très distancé, mais voilà. Il est pas c'est non plus. Très serré pour le moment. Les joueurs. Hyper close. Yannick qui est juste. Enfin, le top 8 est pas sécurisé. Hein. Il est sécurisé pour personne. Karl toujours premier. Second, pardon. Massa qui s'en sort bien, il a lâché un très très bon jump sur le premier tour
Et derrière, il a pas du tout laissé ses adversaires récupérer l'avance qu'il avait réussi à gratter. Ah, il y a Pac qui est arrivé à pleine vitesse, pleine bourre. Est-ce qu'il va récupérer la première place? Ah bah ça très très solide. Hein. Ouais, bah ça qui maîtrise bien pour le moment. Il y a pas juste derrière. Bren est un peu dans le mal là pour l'instant. Ouais, pas perdre les 18 ouais, points. Il a le temps de récupérer cette 8ème place, mais effectivement, faut qu'il fasse attention quand même parce que 18 points c'est vraiment conséquent. Et puis cette map va très très vite. Hein. Ouais. Déjà au 4ème tour, il y a très peu d'erreurs qui est fait par le top. Il y a encore un bon peloton quand même. Hein. C'est rare que les joueurs soient aussi proches après 4 tours. Ah, Bren est quand même loin. Et il a 1 seconde 37 du top 8. C'est 1 seconde 37, ça se rattrape largement. Ça se rattrape, mais en fait, je vois. Oulala. Regarde là okay. Par exemple déjà. Ok, je. Côté c'est la première fois que je vois quelqu'un ne pas prendre l'espèce de cut. Et là, c'est le moment où il faut prendre. Il a réussi à récupérer une place du coup. Il n'y en a plus que 2 à récupérer, Bren, s'il veut maintenir ses 18 points. Pauline est bien parti. Karl pour l'instant, juste derrière Massa. Massa si rapide, si véloce. Ouh là là. Ouh, mais Karl va si vite avec cette voiture. Avec la voiture Solari, est-ce qu'il va peut-être pouvoir le dépasser là-dessus sur la montée peut-être... Oh, Massa qui choque, il a touché. Il a touché. Comme je l'avais prédit. Oh, il l'a doublé parce que Massa a touché. Karl est pour l'instant premier. Le pack. Oh, pas qu'il le suit, Massa. Pas qu'il le suit. Il prend l'aspiration. Ça va se jouer sur le jam parce que Massa pour récupérer cette première place, il l'avait très bien pris sur le premier tour et c'est pas qu'il le prend très très court là-dessus. Vraiment limiter leur time au maximum pour gagner, gratter quelques centièmes. On sent Karl qui ne choke pas, très très solide. Bren qui est à Bren qui 17 centièmes de Scrappy. Attends. Non, Bren. Ah, c'est oui, ok. Scrappy a touché. Tellement hein. Au coup d'à coude qu'on les voyait pas en fait. Scrappy a touché. Ouh, attention là, ça y est très légèrement, il va perdre un petit peu de temps, ça va pas être grand chose. Mais... Ah, il faut doubler ce kid là. C'est une petite erreur qui peut lui coûter cher quand même, de rien. Diffuse kid spam. Oh, Danik B. Out of nowhere. Vient prendre la vitesse sur Bren. Il reste 4 tours. Karl est toujours premier. Massa qui a du choke encore une fois. Ah, Massa, ouais. Massa qui a dû encore toucher une arme. Légèrement et Cap, pareil qu'il le prend aussi très court ce jeu. Pour l'instant, on a toujours le top 2, Pac et Karl. Oh, Pac qui est très close, qui commence à prendre un peu de terrain, j'ai l'impression là. 17 centièmes. Oh, Karl qui a bien pris la courbe. Oh, il a bien pris la courbe. Ouais, il a réussi à créer une petite avance, un petit écart entre les deux joueurs. 0,70. Oh, il le met dans le vent, il gère tellement bien cette fois. Oh, je crois qu'il a touché. Non, il a pas touché. Il a pas touché. Il est si précis avec la voiture Solari. Et Bren qui arrive à récupérer cette place de top 8, c'est ça qu'on veut. Allez Bren dans le top 8, ça a dû toucher. Allez Brendan. N'hésitez pas à mettre Go Karl ou Go Bren dans le chat les amis. Vous écrivez Go, espace le nom du joueur. Et ça lui fait des petits cœurs et après il est heureux parce qu'il voit que les gens ils le soutiennent. Oui. Donc n'hésitez pas à faire Go Karl GR et Go Bren. Vous avez d'autres joueurs à supporter évidemment. Karl toujours premier, suivi de Pac. De Massa qui est un peu derrière. Massa qui maintient quand même sa 3ème place. Hein, qui fait quand même une très très bonne course. Là, Massa, il a l'impression qu'il l'a bossé cette carte. Quoi. Il l'a bossé, mais il ne peut rien faire face aux deux joueurs qui ont été touchés par la grâce de Dieu à leur naissance. Ah, malheureusement. Ouh, ça. Oh là. Attention, paquet carte. Dans un mouchoir de poche, encore une fois. Papou qui est derrière Massa. Cap juste derrière. On a une espèce de. De regroupement de 3 joueurs. On a l'échappée entre Karl et Pac. Attention le jam, il reste plus que 2 tours. Hein. Seulement 2 tours. Là, parce que coup, on a un bon spec des deux. Ouais, on a un bon spec des deux avec l'appui sur Massa. Oulala, c'est tellement close. Pac avait touché, mais c'est impossible. Il est si fort. Il est si précis. Alors qu'une voiture Gamer Origin, imaginez avec une voiture Solari. Il reste si vite, ce serait le meilleur joueur du monde. Comme ce serait fou. Et Karl qui à chaque fois le prend un petit peu mieux sur ce passage. Ouh, quoique là-dessus, sur la montée, Pac qui a pu récupérer un petit peu de centième de retard. Bon, 0,38 pour l'instant, il y a vraiment très très peu de différence. Là on a vu où il y avait de la différence, c'était sur la fin de la map.
Et sur le jump, j'imagine qu'il va avoir. On voit au niveau du jump. Il va mieux le prendre là-dessus. Après, ça semble compliqué. C'est hein. Très très close les deux. Hein. Le truc, c'est qu'elle est récupérée. 0,5 secondes de retard sur. Pour des joueurs moins bons, ça se fait, mais sur Karl ou sur Pac, c'est vraiment. C'est une montagne à gravir. C'est si dur. Obred, pour l'instant, qui a sécurisé son top 8. Ah, il est quand même pas mal. Pas faire de grosses erreurs, mais normalement, le top 8 est sécurisé. Et Scrappy qui a DNF là-dessus. Il a dû choper 2-3 fois, je pense. Et malheureusement, la map d'avant, il avait perdu ses points. Et je pense que mentalement, ça doit peut-être être un petit peu compliqué. Après, peut-être qu'il a eu des soucis aussi. Il y a eu un bug. On a mis le dernier tour. Entre Karl et Pac. Karl toujours premier. Pas d'erreur pour l'instant. De la part des deux joueurs, ils ont fait vraiment aucune erreur hein, sur les 10 tours. Aucune grosse erreur. Oui. Ne serait-ce que toucher le mur comme Massa l'a fait, qui est une erreur, mais qui quand même lui permet juste d'être top 3. Après, il est quand même très très propre sur tout le reste, Massa. Ouais, bon, Massa clairement qui fait une très bonne run. Avec Karl qui est toujours premier, Pac qui le suit, mais Pac qui. Ah, c'est quasiment impossible hein, de lui remettre non. Une seconde maintenant. Et Karl du coup qui prend la première place, impossible. On va avoir le top. Est-ce que côté Bren va pouvoir sécuriser ce top 8? Ouh, heureusement que c'était le dernier tour. Heureusement que c'était le dernier tour. Ça va. Bon, malheureusement pour Rollin on va perdre ses 13 points et ça fait mal. Ah c'est la cata. Ça fait mal parce que 13 points c'est vraiment conséquent. C'est vraiment vraiment très 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 conséquent. Du coup Bren qui arrive lui par contre à sécuriser ses 18 points. Peut-être Burst qui va finir ou pas. S'il va finir. Peut-être Burst qui va finir cette game. Bon avant-dernier puisque Scrappy a DNF. Ouais. Et du coup Karl qui prend les 20 points, Pac qui en prend il va pouvoir créer 12. Ouais, il va pouvoir créer un petit écart avec Pac très léger de... Bren qui, okay. Qui sécurise ses points, qui n'en prend pas beaucoup mais au moins qui en prend. Ouais, c'est bien. Qui ne les perd pas. C'est bien, hein. Bren qui est 4ème, il s'est fait du coup dépasser par Papou là-dessus. Il allait récupérer ses 25 points. Mais mais c'est pas mal, en tout cas Massa, belle course hein. Ouais, bonjour. Remarquable. Pour l'instant les joueurs Solari qui sont vraiment, dans le top 3 des cœurs. Avec Bren premier, Scrappy second et Karl troisième. Est-ce que ce serait pas une nouvelle map? Alors... Je ne crois pas. On va voir mais... Celle-ci... Ah si, je crois que c'est la nouvelle map celle-ci. Je crois que c'est je crois que c'est la nouvelle map. On l'a pas faite celle-ci non? C'est pas avec les cactus. Attends... Mais c'est celle-là avec la structure, je crois. Si vous pouvez me confirmer, je crois que celle-ci est... Intertwine. Si, si, oui, ok. On l'a faite, celle-ci. Oh là là, alors celle-ci, il faut passer par le bleu. Il y a, voilà, très important de passer, effectivement, du coup, sur le petit côté de road. Pour vraiment perdre le minimum de vitesse dans la grass. Ici, il y a le petit jump à droite, si on a été suffisant. Oh là là, habile. C'est propre. Et là, maintenant, il y a un deuxième cut qui est encore à droite. Oh là là, la vitesse est bien maîtrisée. On voit que Karl et Bren ont fait l'entraînement avec Chap et Wax. Exactement, là pareil. On essaie de choper le plus de road possible pour limiter le temps dans la grass. Histoire de pouvoir release et Neo Drift derrière. Oh, c'est propre ça. Oh, le jump. Oh, oui, le très beau cut. Je savais même pas qu'il y avait ce cut. Hein. Bah, en fait, ils ont trouvé. Du coup, ouais, non, j'ai rien dit. Ok. Le petit passage sur la structure, donc ça voilà. La structure. On a bossé cette map. Et là maintenant, il va couper dans l'eau. Regardez ça, il passe à gauche dans l'eau. Il rebondit. Boum. Oh, et ça rebondit. Et ça rebondit. T'es tellement. Tellement propre et tellement beau. Et là encore un cut, mais il y a que des cuts sur cette map. Ouais, il y a beaucoup de cuts. Voilà, mais Massier qui ne... Ah si, ok, j'ai cru qu'il ne jugeait même pas bon de ce warm-up. Donc voilà, vous avez pu faire un petit tour de la map en compagnie de Karl et de Bren. Pour ce warm-up, on va en refaire un petit au cas où. Et les moments complexes, globalement, bah c'est... Je pense ça, tous les joueurs vont plus ou moins passer avec une vitesse. Une fois que vous avez passé ça, vous avez la vitesse pour passer à droite. Donc ça, c'est les deux cuts, on va dire, entre guillemets, importants. Et sinon c'est vraiment optimisation, donc là voilà sur le virage. Ouais, de ne pas toucher, vraiment, de rester sur le bleu. Ouais, quoi. Rester autant possible sur le bleu sans toucher le mur. Et derrière ça va plus ou moins être les petits cuts comme ça. Ah, là, ça va être de surtout avoir un bon landing. Ouais, pour limiter le airtime. Exactement. Ah, attention à pas faire trop de grâce. Et là c'est rebondir sur l'eau. Oui. Il y a peut-être moyen d'optimiser là-dessus. Mais je pense qu'il y a moyen d'optimiser le landing, non? Il y a moyen d'optimiser pour peut-être limiter un petit peu l'airtime, ça va avoir un landing un petit peu plus smooth. C'est un but. Mais oui, en vrai, je pense qu'il y a peut-être moyen, on verra un petit peu ce que ça va donner tout au long de la course, mais il y a peut-être moyen que si un joueur maîtrise un petit peu mieux le landing, le jump sur l'eau, peut-être qu'il peut aller chercher
un petit peu de temps, parce qu'en vrai le airtime de Karl était assez conséquent. Que nous fait Bren pendant ce temps-là? Il s'entraîne dur. On ne perd pas une seule seconde d'entraînement. Alors on voit que à droite ça ne maîtrise pas. Oh, en vrai, ouais, la vitesse que tu prends quand même. Ouais, t'es obligé. En fait, là, l'idée c'est vraiment de coller au maximum sur le bleu pour vraiment pas être sur l'air, mais tout ce que tu veux surtout c'est vraiment ne pas toucher aussi. Ouais. À côté. Au petit jump là-dessus. Ouais, en vrai, il y a de l'optimisation de landing un peu partout finalement. Ouais. Genre là, voyons voir comment les autres le prennent. Ils le prennent tous pareil, hein. Je crois que. T'as quand même un petit truc à faire, je pense. Je suis pas sûr, parce qu'en fait, le truc c'est que si tu le prends plus bas, en fait, pour limiter justement le airtime, il faudrait que tu le prennes plus tard, ouais. Le jump. Mais le truc, si tu le prends plus tard, bah ta voiture elle va rebondir différemment en fait. Ouais, je vois. Sur l'eau. Du coup, mais je sais pas après, si tu... après, entre le jump, le moment entre haut et sol, bah en fait, là, tu peux modifier le. Tu peux pas faire grand chose, parce qu'en fait, c'est. Bah, oui, c'est freiner, court, mais tu peux quand même gérer un peu en fait, le positionnement de la voiture. Vraiment, j'avoue que Bren, il est vraiment en mode full DZ là. J'avais pas vu sa voiture. Bren qui a décidé de quitter l'écurie Solari pour se concentrer à sa vraie passion, qui est l'Algérie. Sa vraie passion. Pourquoi il le prend dans l'autre sens? C'est la fin du warm-up de toute façon là. Il s'amuse un petit peu, il nous fait découvrir les envers de la map. Oh oui. Il fait coucou. C'est à propre. Pas. Coucou. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, ici what? Oh, un easter egg! Wow, c'est fou! What the fuck? C'est vraiment un easter egg en plus! Un endroit caché! On est parti en la quatrième map! La cinquième map sera donc la map avec les petits cactus. Les cactus! Allez, c'est parti! On va suivre le joueur algérien! On est parti, on va voir un petit peu comment tous les joueurs maîtrisent cette map. On va voir un petit peu où se creuse l'écart aussi. On voit que les courbes sont sensiblement les mêmes. Mais là, clairement, c'est vraiment. Oh là! On va rester le plus possible voilà, sur le bleu, optimisé. Là, on repasse pareil sur le bleu, ça va pouvoir tourner un petit peu plus, de manière un petit peu plus optimisée. Là, on a beaucoup de vitesse, tout le monde prend le jump, personne ne choke. Et c'est très propre. C'est très propre pour l'instant, aucune erreur. Passe. Le petit essaim de voiture. C'est beau, hein, c'est beau. Hein. Ok, ouais, oh, c'est pas mal. Oh, il y a quelqu'un qui a touché. Ouais, on a déjà perdu un joueur. Oh, et qui a aussi Scrappy, Scrappy qui est parti à droite sur la roue libre, c'est la catastrophe! Oh là là, Scrappy! Oh, c'est si lent! Allez, mon grand! Oui! C'est bon, il l'a eu. Ah, il a 40 secondes de retard là par contre. C'est dur. Parce que là, malheureusement, il a touché la roue libre et du coup, bah, il peut rien faire, il peut pas reset parce qu'il va perdre trop de temps. Enfin, revenir au dernier checkpoint, du coup, il est obligé d'avancer à 2 à l'heure. Ah, il a DNF! Oh non! Oh, mais non, Scrappy! Ah, en vrai, c'était chaud quand même de revenir. Hein. Et ouais, en vrai, ça faisait quand même. Ouais, il avait 8 secondes, 8, 9 secondes de retard. Scrappy. Je pense que ça se fait, mais je pense que l'accumulation des maps précédentes. Je pense qu'il était perma tilted là. Je pense qu'il est un petit peu tilted. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas trop d'écart entre les joueurs. On peut y quelques joueurs. J'aimerais bien revoir bien le moment de la structure avec le gem dans l'eau qu'on n'a pas pu trop voir. Ouais, parce qu'on était au focus sur Scrappy qui. Focus sur Scrappy qui malheureusement. Était en train d'aller très très lentement. Qui lui avait raté son landing. Juste ici. Il n'avait pas assez relayé, je pense. Ok, là, le petit virage. On va voir du coup, on va voir la vue de Bren, on va voir un petit peu tous les joueurs passent. Ok. Oh, j'ai dans la water. Oh. Et ça passe. Le petit jump, personne ne touche. Ouais, c'est bien ça. Le petit. En tout cas, pour l'instant, Massa qui a la première place. Moi, je suis de très très près par Karl. Mais Massa qui, honnêtement. On voit la première semaine pour lui dans cette Trackmania Grand League et qui, pour le moment, du moins, montre de très bonnes performances. Ouais, bah ça qui. La nouvelle surprise, le petit prince allemand. Après, on a quand même perdu Willy, quoi. On va dire quand même. C'était Willy? Et c'était Sky. Ah, il s'appelait Willy? Non, mais. Sky. Ah, oui, d'accord. J'avais pas compris. Ouais, ça va un peu vite, hein. Oui, il fallait forcément quelqu'un d'exception pour remplacer Sky. Qui d'autre que Massa? De la team Big Berlin, je sais plus quoi, Gaming, International Gaming, je crois. Je ne sais pas du tout. En tout cas, Massa qui maîtrise bien cette map pour le moment. C'est bien joué. Karl qui pour l'instant est dans le top 3, très très serré avec Pac et Massa. Ouais, toujours ce petit top 3 hein, qu'on a vu aussi sur la map précédente. On disputait les 3 premières places. C'est serré. On voit que
Là, c'est de toute façon, là, c'est du full speed, donc il y a quasiment aucune chance de récupérer quoi que ce soit. Peut-être sur le jump, un petit landing c'est, plus c'est... appréciable. Voilà. Ici, optimisation de virage. Ouais, ouais, de toute façon, là, c'est... en vrai, c'est quasiment impossible de prendre du timing sur ces, sur ces, sur ces moments-là. Ah, quand même, côté pack, on y arrive bien, on arrive oh, à pack, récupérer Massa. Pack Sivelos. Ah, dommage, la courbe était un peu moins bonne. Sur le jump. Là-dessus, sur le landing, c'est important de pas rater ça. Ou pas qui apprend l'intérieur du virage. Pas qui passe devant sur la structure, est-ce qu'il va pouvoir garder son avance. Le saut dans la water. Le saut dans la water, oh c'est bien pris. Oh c'est bien pris. Oh le landing, si smooth. Ah, le problème c'est que... le problème c'est que Pac il est trop véloce. Hein. Pac qui arrive à aller chercher le petit, les petites millisecondes nécessaires à dépasser Massa. Le water bounce. Au coude à coude. Hein. Ren qui est un peu derrière. 25ème. Ta voiture a sorti aux couleurs de l'herbe. Exactement. Ça va être, ça va être dur à chercher le top 3 encore une fois. En fait, faut faire vraiment zéro erreur. C'est Papou qui malheureusement est actuellement 13ème avec 14 secondes de retard et qui a 25 points. Oh et non, Papou. Les 25 points qui vont sans doute passer la trappe. Ça va être compliqué. 14 secondes, c'est beaucoup quand même. C'est compliqué. 14 secondes en 5 tours, c'est faisable. Ah là, ça, là ça, c'est Papou le joueur full speed maintenant. Il en est capable, Papou, mais clairement il va falloir qu'il joue très 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 risqué. Hein. Là, lui il a rien à perdre, hein. Il a 25 points à protéger donc clairement il faut qu'il donne tout parce que 13 secondes c'est énorme. On voit que sa voiture Gamers Origin n'est pas aussi véloce que la voiture Solari. Une certitude. Hein. Pac qui lui aussi a sa voiture Gamers Origin, mais qui a rajouté un turbo dessus. Il est beaucoup trop rapide pour le reste. Hein. Il l'a trafiqué, hein. Il l'a débridé. Ah Massa, Massa qui est pas mauvais hein. Oh Massa qui fait une très 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 bonne course encore une fois hein. Massa, avec Quack. Surprenant. Nouveau joueur. Il est pas loin par Karl. Ah c'est pas moi aussi qui est mal positionné là. Qui a 1 seconde 60 de retard sur Dunst. On peut toujours espérer un choke. Là faut espérer deux personnes de choke. Ça il y a encore 4 tours donc c'est toujours, toujours possible. C'est toujours possible. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le top? Comment ça se passe? Oh là, Karl qui a pris une petite seconde. Karl qui a pris une seconde. Oh, c'est bon, il a rattrapé. 0,40. Massa et Pac vraiment, vraiment au coude à coude. Hein. Ouais. Ils sont égalité. Regardez ça, incroyable. Ils sont c'est à égalité après 7 tours. C'est fou, c'est après 7 tours, ils sont à égalité. Parfaite. Oh là là! Massa qui met Pac dans le vent. Oh là là, Massa qui l'a pris bien, vraiment bien. Oh, il le met pas contre, il le met vraiment dans le vent là. Pac qui a choke là-dessus et qui du coup va se faire dépasser aussi par Karl. Oh là là, Pac qui a touché deux fois mais qui va pas pouvoir prendre le jump là. Non, il pourra pas prendre le jump. Oh, c'est la catastrophe. Il va perdre beaucoup, il va perdre beaucoup. Oh, c'est la cata. Énormément de vitesse. Ah ouais, non, la Pac. Pac malheureusement qui va devoir. Qui a fait une petite erreur et du coup, je pense que ça l'a impacté mentalement, qui a enchaîné sur une deuxième erreur. Est-ce que Bren peut aller chercher Pac là-dessus? À mon avis, ça va lui coûter. Ça va vraiment lui coûter cette première place. Massa qui lui a été irréprochable pour le moment. Voilà. Ren, est-ce qu'il peut doubler Pac? Pac le joueur exceptionnel. Ren qui se défend. Ren qui se défend, qui a quand même un petit retard sur son PB. Qui a 300 millisecondes en plus de son meilleur temps sur le début de cette étape. Et il nous reste 2 tours pour l'instant. Massa est toujours premier. Massa qui gagnerait peut-être sa première course dans cette Track Maya Grand League. C'est vrai, 100 boulas, hein, rappelons-le quand même. 100 euros. 100 E dans les pochettes. 100 E pour le joueur big. Sachant que chaque joueur qui rampe, donc qui fait top 1, il y a 500 euros par soir. 100 euros par map donc. Pour le premier. Vraiment pas cool de faire sa première place comme ça. Oh mon dieu, Ayako. Ayako qui est banni du chat. Qui est maintenant banni. C'était sympathique de t'avoir. Mais... Ah, Karl et Massa qui sont au coude à coude. Est-ce que Karl va pouvoir aller chercher le jour allemand? Il ne reste plus que 2 tours. Et le joueur DZ. Enfin, tour, le joueur DZ Bren face au joueur anglais Pac. Ah non, mais là, Pac est si véloce.
une seconde d'écart entre les deux joueurs, je pense que ça va être dur à chercher. Pas qu'il peut rattraper Kappa, je pense. Hein. Il a clairement montré qu'il était capable de le faire. Après, le truc étant que derrière, pour la récupérer Karl ou Massa, ça va être vraiment très très compliqué pour lui. Ouais, ça va être chaud. On peut peut-être espérer un chaud quand on a vu qu'il n'était pas infaillible. Ouais, et Papou qui a réussi à récupérer quand même 5 secondes du temps qu'il avait de retard, mais ça suffit pas, il a encore ah ouais, là, 10 y a quand secondes même de retard. 10 secondes de retard, c'est. Et quand même. Oh, oh, non, ouais, ouais, c'est bon. Oh la malédiction. Bon, ah, ouais. On arrive. Oh non. C'est quand même pas de pause. Oh, ça. La malédiction du stream. On arrive et il choque dans la demi seconde. Oh la malédiction du stream, je suis navré. Allez, on va regarder la fin. Non, c'est pas possible avec Karl qui ne va pas pouvoir rattraper. À part s'il arrive à faire le joueur full speed. Et non, malheureusement. Karl qui va finir deuxième. Et Massa qui signe sa pro. Ah non, c'est vrai qu'il reste un tour. C'est pas terminé. Il reste un tour. Allez, on va suivre Karl dans ce dernier tour. On va regarder Massa, peut-être que ça va faire choke. Ah, ça marche pas, hein. Ça marche pas. Non, c'est cible à l'œil de Sauron. Allez, Karl contre Massa dans ce 1v1 final. Massa qui est très très propre. Le loading parfait des deux joueurs. Ça tourne bien. Ah, Karl qui a pris un peu Karl de grâce. Il est pas loin de son pépé là-dessus. Ça tourne bien. On va voir là-dessus peut-être le landing. Oh! Ah, ça va être chaud, ça va être chaud. Un poil mieux pris côté Massa. Enfin, c'est qu'il y avait une meilleure courbe. Et là, je pense que voilà, tout va jouer là-dessus. Il faudra un choc côté Massa pour que Karl puisse prendre sa première place, mais c'est très peu probable. Assez facile voilà, à passer aucun ce passage. Choc, malheureusement. Et du coup, ce sera première place pour Massa. Je pense qu'il se prend un mur. Deuxième place pour Karl. Respecte-le quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Bren qui va finir 5ème derrière Pac, Papou. Malheureusement, on va pas pouvoir remonter. Bam qui est en train de finir. Je crois que ça va être chaud là. Malheureusement, pour perd 25 points. Pour Spam et Papou, ouais. Pour Spam et Papou, malheureusement, les points. 25 points, c'est vraiment, vraiment conséquent. Bits qui fait son petit bonhomme de chemin. Bits qui pourra pas je crois finir, qu'il aura pas le temps de finir la map là. Massier qui aura le temps normalement. Ah, il va pas pouvoir remonter. Vraiment de sacrés bouts en train dans les chats. Ah, pas. Et du coup, Massa qui remporte donc sa première course. Très belle performance du joueur. Parce que première apparition du coup dans sa Trackmania Grand League. Et 4ème map. On peut dire qu'il a massacré la map. Oh, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on se marre. Oh là là, l'humour. Ah, j'adore l'humour. Oh, sa mère. Alors, la dernière map qui est du coup la map où j'avais laissé 3 tours d'avance aux collègues et qui m'ont rattrapé. Oui, nous avons fait sur 5 tours, hein, pas sur 10 tours. Non, t'avais laissé 2 tours d'avance sur 5 tours. 2 tours, ok. T'avais laissé 2 tours d'avance sur 5 tours, t'avais perdu. Moi j'avais laissé 1 tour d'avance et Bren m'avait rattrapé, mais j'avais fini devant Karl. Ah. En 5 tours, donc ça va. Ouais, ça va bien. Alors, on est sur le petit warm-up. Ouais, donc une map plutôt plaisante, honnêtement. Et là, on va voir un petit peu. Voilà, tu sais, ils en parlaient notamment Karl et Bren. Est-ce que c'est le plus opti de passer par le côté Herald ou de rester dans la dirt? Et bah, les joueurs du coup préfèrent. Oh, quelqu'un qui s'est envolé déjà. Il préfère faire un virage un peu plus long, mais du coup en fait il gagne plus de vitesse sur la route, simplement. Oh, attention. Oh, bah alors là c'est. Ouais, ça c'est important. Ah, là c'est foutu, moi je le sers, là c'est foutu. En gros, ce passage c'est important de rester bien à gauche pour pas passer. Ouais. Oui, il est en cam comme ça lui. C'est, On est obligé de voir sa cam. Oh, Kien s'est pris un petit poignet. On est obligé de voir sa cam. On peut pas changer. Pas du tout. What? Ouais, on est obligé de voir la cam du mec. Ah, ça a bugué, je crois. Ok. Ah oui, vous pouvez passer. On veut faire un petit tour dans la vie de Karl Junior. Voilà ce que voit Karl Junior actuellement. Stressant. Regardez comme c'est stressant de jouer dans la vie de Karl. Il faut qu'il passe les palmiers là. Ouais, mais. Pas les palmiers, les cactus, pardon. Ouais, mais ça se coûte tellement. Ah, c'est bon, c'est fixe. C'est fixe. Pour l'instant, Karl qui est si véloce sur ce warm-up. Contrôle 1, ok. Nous on faisait un tout court et ça marchait pas. C'est bon. Alors là, petit ça boost gratte ici à aller prendre. Boost. On va juste voir vision de Karl. Bon, il le passe. C'est stressant quand même. Oh, ça va. Ça va, le chemin est un peu pré-écrit.
de par l'espace entre les cactus. Ouais, mais bon, je ils auraient pu que... être un peu plus salauds, quoi. Je sais que nous, quand on l'a joué, la map... Ouais, mais je first time, hein. C'est vrai. Alors, après, en vrai, le mapper aurait été plus salaud et mettre des petits cactus... cachés, tu vois. Et resserrer l'espace entre les cactus. Ouais, super. Je crois qu'il y a Xerator pour faire ça. Faire des passages entre les cactus où t'as à peine la place de mettre ta voiture. Je vois que ça aura pas ta tête. Resserre-toi. Pardon les amis. Ah, 1 minute 39 ouais. Avant le début de la map. Une map assez sympa en tout cas. Ouais. Il y a le petit passage cactus qui peut être un petit peu tricky. Qui va être assez bien maîtrisé par Karl, mais... On a vu 2-3 chocs là, après c'était pendant le warm-up, donc en vrai ça veut pas dire grand chose. Les joueurs sont beaucoup moins concentrés et ils ont aussi envie de traîner potentiellement des passages en particulier. Alors, Bren en est où? Bren il est au cactus. Et les voit. Non, Bren il joue pas comme ça. Non, je peux pas me contrôler en ce moment. En fait. Bon, c'est pas grave, on va regarder quelqu'un d'autre. Bah, ça qui est au stand. Pack. Le joueur véloce avec sa voiture Gamers Origin. Il n'était pas là parce que, bah, en fait, vu qu'on casse dans l'arène, bah, on se dit qu'on n'allait pas le faire venir. Ouais. Parce qu'on casse dans l'arène et que c'est. On fait avec les moyens du joueur parce qu'en fait, on n'a pas assez de matériel pour caster et Trackmania et les autres jeux qu'on casse actuellement. C'est ça. C'est-à-dire Magic. Le Magic, c'est pas possible de caster dans cette arène alors que Trackmania, bah, dans l'absolu, on peut. Allez, 28 secondes avant le début. Bientôt la fin de ce petit warm-up. Et du coup, cinquième et dernière map. Pour moi, 64 points pour Karl, 46 pour Pac. Massa qui donc sécure pour l'instant une troisième place avec ce top 1. Très bonne performance ouais. Pour en arriver. Par contre, ce que je me pose comme question, c'est comment il fait. Parce qu'en gros, les points, enfin... Ouais, j'avoue qu'il va pas prendre les points de Sky, sinon c'est assez BG, quoi. Bah, Sky, de toute façon, je crois qu'il avait... oui, c'est pour ça qu'il s'est BG, quoi. Attends quoi? Okay, t'as cru que tu contrôlais la voiture? Non, non, j'ai cru que la map allait start et qu'il avait pas avancé. Il était pas ah, là. D'accord. Allez, c'est parti! On est parti! Dernière map, ça va être très important pour les joueurs de garder leurs points là-dessus. Start à zéro, du Est-ce coup. Est-ce que vous voulez que je mette les noms ou c'est mieux sans je laisse les noms? Oh, laisse les noms, bah ça. Je pense que c'est mieux de laisser les noms. Au début, c'est un peu chiant, mais après, ça va se dissiper un peu. Alors. Je vois un peu qui est qui, comme ça vous pouvez suivre votre joueur favori. Pack Adventure Beats qui sont premiers. Bits qui a 0 points. En même temps, je crois que la map d'avant c'était pas très bien passé pour lui. Ouais, malheureusement. Alors, on est où? Bren est où? Bren est dans le top 10. Bon, là, pour l'instant, il n'y a pas eu trop ouais, de. Ouais, c'est très 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 serré pour le moment. Il n'y a pas eu trop de. Le petit passage sur le speed. On va passer au moment des cactus. On va voir si tout le monde arrive à bien le passer. Qu'il n'y a pas de choke. Ouais, quand même la place. Hein. Oh, c'est très bien pris par Spam. Ouais, ouais, y'en a qui prennent un peu plus de vitesse que les autres. Ah, Karl qui a peut-être joué un peu trop safe sur ce. Après, il a 64 points là, clairement. Ouais, clairement, Karl, là, il veut pas donner de points. Hein. Côté Karl, ce qu'on veut, c'est absolument sécuriser ce top 8. Et il veut clairement pas donner de points là. Voilà, pour l'instant, pas encore trop d'écart qui ont été créés. On voit que les. il y a quelques chokes. Rollin qui a misplay quelque part. Z burst aussi. Oh là là là. On va regarder Kappa, il est en fin de peloton, on a une vision un peu sur tout le monde. Krapi, Massa, Pac. Les tours sont rapides, hein. Attention, deuxième passage sur les cactus. Oh, en fait on a Bren. T'as vu, tout le monde passe. Un peu derrière. Personne ne choke. Ça là, va falloir jouer la constance. Hein. Ouais. Peloton de 8 joueurs juste devant Bren. Voilà, c'est vraiment très stack, hein. C'est ouais. Vraiment très très stack. Les jumps sont bien pris. Parce que finalement, ça prend bien le road. La road plutôt que la dirt. Ouais, les joueurs préfèrent prendre le virage un peu plus long histoire de gagner plus de vitesse. Que tu vas l'accumuler sur le reste de la course. Oh, oh yay, yay. Oh Massa, oh la cata. Oh Massa, oh la catastrophe. Oh là 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 là, Massa qui va perdre ses. Là, il va pas perdre ses 33 points, des mauvaises langues, mais il est quand même mal parti là. Ah bah c'est. Ok, ouais, obligé de toucher pour prendre le buff de vitesse. Oh, aïe. Il y a beaucoup de retard accumulé, hein. Oh non, c'est pas. C'est pas possible, Massa. Oh, 14 secondes, alors là.
Va falloir être le joueur full speed. Ouais, là il faut qu'il donne tout, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est loin. Flexionne un peu pour se motiver. Allez, on va regarder un peu le top 8. On a pas Pouke au coude à coude avec Papou, Bren. Le joueur dirt. Bren qui est juste devant lui. Là, de toute façon, en vrai, Karl va juste. Bon, Karl va comme toujours jouer le top 1, mais dans l'absolu, il veut quand même s'écouler le top 8, donc il va pas faire de folie pour. Oh, Scrabby qui a touché un tout petit peu, qui a dû se faire dépasser par Karl. Le passage maintenant sur les cactus que tous les joueurs vont réussir à passer. Non oh, pas tous les joueurs. Oh, Kappa qui oh, malheureusement Kappa. A touché le checkpoint et ça va lui coûter cher. Oh, la catastrophe. Ok, je quitte ce cast. Et du coup, on a pas qui est premier, qui a une toute petite avance sur Spam, suivi de très très près aussi par Karl. Alors, Pac, toujours dans le top 3. Oh, c'est tellement stack entre Spam, Karl et Pac. Et Karl qui avait fait un début un peu plus tranquille, mais mine de rien, ça paye. Il y a eu quelques chocs des joueurs, et là, il se retrouve à la première place. On suivait parfaitement même par Pac, mais ah, mine de rien, si il n'y a pas besoin de faire un départ en fanfare. Ah, il y a Spam qui a concédé un peu de terrain, mais que peut-il faire face aux deux joueurs touchés par la grâce de Dieu. Il est condamné en fait, malheureusement. Le top 2 est sécurisé quoi qu'il arrive. Faut juste jouer le top 3. Point ouais, qui pour l'instant est pas trop mal. Et Kappa qui a 30 points. Top 6. Kappa qui peut quand même récupérer. Pour Massa, ça me semble un peu complexe. Il a encore 10 secondes de retard sur le top 8. Ah, il peut le faire, hein. Il part quand même de 16 secondes. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a déjà récupéré beaucoup là. Il a récupéré énormément. Hein. Allez Massa. Allez, mon grand. Prends toi, Massa. On peut le faire. Après, en vrai. Qui est passé devant Karl qui a dû toucher un tout petit peu. En vrai, dans tous les cas, il a 0 points à genre 10, comment, 5 semaines de jeu. Oui. Je pense qu'il peut, il faut qu'il joue les top 1 plutôt. Je pense que ça va être chaud pour lui de jouer le top. Après, en vrai, s'il fait des très bons tops sur 3 semaines, il peut se glisser dans un top 8. Hein. Ouais, c'est ça, il pourra clairement pas aller chercher le top 1, le top 2 ou le top 3. Mais s'il fait des très bonnes performances, sauf si on a la semaine 6, du coup, il reste encore 4 semaines. Ah, il a moyen quand même de gratter un petit top 8, je pense. Hein. Ouais, le top 2-3 va être chaud. Il peut clairement, c'est même quasi sûr, enfin, vu du moins ce qu'il nous a montré, c'est clairement. Il peut clairement finir top 3, même avec 5 semaines de retard. Ok, nous dit Ayako. Ok, ça c'est possible. C'est un crack. C'est un monstre. C'est un crack. Oh, par contre, il vient de concéder de le. Ah, je crois qu'il a rechoke. Ah, il a rechoke, ça va être compliqué. Ah, il a rechoke. Ça va être compliqué pour lui. Côté Bren, ça passe à Cactus sans aucun problème. On Bren est de très près par Oli, on veut pas perdre ses 29 points. Pour Bren, il reste encore 3 tours. On va regarder les deux monstres. Karl et Pac. Il y en a juste. On a vu Spam derrière. Spam qui s'en sort bien, hein. Spam qui pour le moment fait une très bonne course. Hein. C'est pas un joueur forcément qu'on a l'habitude de voir dans le top 3. Ça lui arrive des fois de pop, mais. Là en plus, là il est en train de faire son PB, il est vraiment en train de faire une. Là il va trop vite. Ouais. Comment tu vois le PB? Bah, on regarde quand tu passes le checkpoint en fait. Ça, c'est comme toi. En gros, tu es là. Ah, oui, d'accord, ok. Je crois que c'était par rapport au mec devant ou derrière toi. Non. D'accord. Par rapport à son temps. Après, c'est les PB, mais des 7-8 tours d'avant quoi. Enfin, 7 tours d'avant. D'accord, ok. Ah, il nous fait un très bon tour du coup. Il a passé quelque chose un petit peu moins bien que sa meilleure fois. Ok, il est un très bon tour aussi. La meilleure tour pour le moment qu'il ait pu faire. Cette compétition. On avait Bren et Rowling qui sont. Ah, oui. Coude à coude. Avec Dunst aussi. Par contre, là, on sait qu'il y a un des trois joueurs. Ouais, ça malheureusement, quoi. On peut pas changer la cam. Ok, bon, ça marche pas. On va regarder Karl. C'est sur Karl. Du coup, Karl et Pac, toujours les deux premiers. En fait, Pac, il est. Pac, il a pris une petite avance. Hein. Il a une seconde d'avance là-dessus sur Karl. C'est assez conséquent. Il reste plus que deux tours en comptant celui-là. On rentre tout le temps la course à deux. Hein. Donc il y a une course dans la course en fait. Entre après il y a Spam qui est vraiment à rien. Après il y a Spam qui est, il y a peut-être un mec des fois de temps en temps qui arrive à gratter, mais en général sont très réguliers, hein, Karl et Pac. Ouais. Et Spam qui encore une fois fait un tour excellent. Hein. Oh, Bren qui vient de doubler Rollin. Il y a dû avoir un choke, non? Ah non, c'est juste pour ces trois là qui sont dans un mouchoir de poche. Les trois joueurs ils savent, hein, qu'il y en a un des trois qui va terminer 9ème, un des trois qui va perdre ses points si durement gagné. C'est Bren qui a le plus à perdre parmi ceux-là.
Ah ouais, Brian Clairon qui a 29 points, il veut juste pas faire top 9, il veut sécuriser le top 8 là. Papou qui a une bonne avance quand même hein, sur une petite seconde 30 d'avance sur Bren et bah, du coup tous les autres. Et Kappa qui arrive pas à récupérer non plus cette 8ème position. Hein. Ces 30 points qui pour le moment sont bien partis pour disparaître, tandis que c'est le dernier tour, monte un petit peu Karl et... Alors on va regarder Karl et Pac sur ce dernier tour. La voiture Solari, Qui paye ? La voiture Solari, elle est si rapide ! What ? Click sur Bren. Comment ça se fait ? Et Bren qui a pu regarder tous ses points. Et Pac qui a du choke juste avant la fin. Il était pas capable de terminer premier. Il était Pac capable. C'est pas possible. C'est un vrai sacripant. Oh mon dieu. Et mon AVC qui va essayer de terminer la map. Je pense pas qu'il va pouvoir terminer malheureusement. Ça va être très close mais il va pas réussir à aller chercher ses petits points. Et du coup 6ème semaine. Et Karl qui fait une semaine à 84 points. Ce qui est quand même vraiment vraiment propre. Ah ouais, clairement. Très 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 propre. Bren qui fait une très très bonne semaine aussi à 34 points. Pac 58. Malheureusement pour Massa qui termine à 1 point alors qu'il allait... C'est pas payé ça quand même. C'est mal ça payé. Ça a pas payé, ouais. Après il est quand même allé chercher un petit top 1. Donc il a fait premier sur une course. Il se met quand même sans boulasse dans la pocket. Ouais ouais, clairement. En vrai, bon avis de Massa, un joueur clairement à surveiller. Ouais. Un joueur à surveiller parce que bah il arrive et il impose déjà. Donc, il a été propre. On a lui Grand King du coup. Karl Junior qui a 403 points, une bonne avance sur Pac. Karl qui a vraiment une. Et Bren qui récupère la 3ème place là-dessus parce que Kappa a perdu ses points sur le dernier round. Et oui, Kappa qui a perdu 30 points. Je crois qu'il avait 30 ou 33 points effectivement. Ah ouais, mais Massa peut carrément faire un gros top hein, parce que à coup de 84 comme le fait Karl. Après 84, il faut aller chercher. 84, mais... ouais, même... C'est pas dégueu quoi. Mais oui, effectivement, s'il fait genre. Enfin, vu ce qu'il a pu nous montrer, il est clairement capable d'aller chercher des premières places sur 2-3 maps sur les 5. Et mine de rien, ça fait déjà 40-60 points, sans parler des places qu'il va faire après. Du coup, Karl qui a fait 3 top 1. Il a fait 3 top 1, 2 top 2. C'est ça? Ça fait le compte. 84, ouais, ouais. Karl impérial. Impérial, quelle constance. Il a gagné du coup 300 euros, moins 100 euros qu'il doit à Bren parce qu'il a fait 360, et on oui, rappelle. Petite note, Bren qui a réussi sur la première map du coup à rentrer ce petit 3-6 au moment du jump qu'on a pu arriver à temps pour voir, heureusement. Il fallait le faire. Est-ce qu'on ferait pas une interview des joueurs s'ils sont disponibles? On peut faire une interview des joueurs sur Discord. Discord. C'est ça, Discord. On va voir si on peut avoir... Par contre, après, du coup, tu pourras pas leur parler en fait. Ah ouais. Bon, je te laisse faire l'interview. Non, arrête, c'est gênant. Tiens, fais-le toi. Moi, je suis. C'est bon, install deal. Allo ? C'est bon. Yo ! Allô ? Ça va ? Ça va, bien ? Ça va, ça va. Ben, bien joué. Merci. Bien joué, Karl, bien joué, bien. C'était propre. Ouais, c'était bien. Propre. Surtout qu'on la sentait pas trop avec les maps cette semaine. Ah ouais ? C'était pas nos préférés. Tu la sens pas trop, ouais. Tu fais 3 top 1, 2 top 2, quoi. 84. Ouais, mais le dernier c'est du gros cadeau. Là. Alors attends, est-ce qu'on a un replay pour le 360 de Bren? Parce qu'on l'a vu hein, ce 360. Ah, t'inquiète, moi j'étais un homme de parole. Le 360, parce que même si on est arrivé au milieu de la game, on l'a vu. Hein. ça a duré tellement n'importe quoi, regardez, ça m'a plu. Ah bah en fait on est arrivé à la toute fin parce qu'on a eu des problèmes pour join vu que y a pas Kenny, du coup on n'était pas dans la whitelist. Mais mais on a quand même vu le 360, on est arrivé genre à tour 7 sur 10. Ah mais c'est... Moi j'ai crash le premier tour. Ah ouais, t'as crash genre le premier tour? La toute première descente, j'ai un truc trop unlucky genre. T'as le problème? Attends, y'a pas moyen que Wax t'entende? Je peux pas entendre mais... Parce que en fait... Attends. Ah si, je peux jouer avec l'autre. Ah oui, attends, je vais go sur Discord sur l'autre compte, attends. Vas-y, je te bats. Salutations à vous les amis. Yo! Bravo pour cette petite semaine, très propre, très propre. Merci. Excellent, yes, 3-6, c'est... Bren. Ouais, j'avais dit que je le faisais, alors let's go. T'en as fait qu'un ou t'en as fait plusieurs? Non, j'en ai fait qu'un. En fait, j'ai vu Kenz.zt se connecte en haut à gauche, tu vois. J'ai fait, ah bon, tu dois faire le malin, genre. est-ce que vous pouvez aller sur TS si possible? Je sais pas si vous l'avez encore. Parce qu'en ouais, gros. Est-ce que tu peux me l'envoyer vite fait? Ouais, je vais t'envoyer ça. Je peux te l'envoyer où? Sur Twitter, ça te va? Ouais.
Oh man, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Massa qui remplaçait Sky. Ouais, merde. Genre, il était ultra chaud, mais avec genre ce type de joueur-là, on peut s'attendre à des ultra gros chocs. Normalement, là, on a... c'est un scrappy bis en fait. Ouais, il a fait. Ouais, honnêtement, il a fait des super runs. Hein. Mais il a réussi à récupérer les premières places. Mais comme joueur, c'est un des plus rapides dans le jeu, point. Sur papier, il est vraiment rapide. Ouais. Alors attends, comment ça se passe maintenant? Tu vois, juste ce qui lui manque potentiellement, c'est la régu, quoi. C'est-à-dire qu'il va faire des très bons rounds, mais il peut choke ouais. Potentiellement ça. C'est ça. Et pourquoi il n'était pas qualifié avant? Enfin, c'est par curiosité. Il a perdu sa qualification nationale contre Rollin et Dexter, ouais. Ok. Tu veux combien de TS du coup? Ouais, si possible, yes. Ça vous échappe aussi. Okay. Yeah, j'arrive. On arrive. Ok, je quitte Discord. Enfin, je quitte Discord du coup, je vous attends. Je vais vous swap. Yes, ça marche. À toutes. Et hop, salutations. Et hop. Salut. Ah, et hop. Ah, nice. Désolé, je devais changer de micro. T'inquiète, pas de soucis. On me dit que t'as une finale dans 5-10 minutes. Ouais, j'ai une autre finale dans... Ah ouais. Bah elle commence à 45, ils ont décalé pour la TM. Ah, ça va. Ah, nice. Ah bah ouais. Attends, mais c'est pas le truc qu'on devait cast là? Finalement, on va pas le faire, je crois. Je sais pas, il y a peut-être Siremix qui vous en avait parlé, j'en sais rien. Je crois que ouais, c'était. On devait le cast, mais finalement on va pas le faire. Ok, ça marche. Bah ouais, j'ai joué ça toute la journée. Et là, ah j'ai la finale tout à l'heure. Ouais. Oh là là. C'est Overdose Trackmania ce week-end. Ah oui, t'es. Y a quoi... oh, t'as trop joué quoi. Bah, quoi j'ai beaucoup trop joué. Y'a quoi à gagner du coup sur le tournoi que tu vas faire, la finale? Si c'est pas indiscret. Je vois qu'on me demande pour la voiture Solari, en vrai, je peux rien y faire, malheureusement. Parce que je joue avec, mais... Wax parle ? Super. Allô ? Ouais, je t'entends pas, Wax. Ah ! Ah, on t'entend pas. Ouais. Ah, il demandait combien il y a à gagner. Ah, merde ! Ah, gagner pour la cup de ce soir ? Ouais. C'est 1000 de cash price au total, donc 500 pour la première place. Ok. Et c'est, ouais, c'est 500, 300, 200, non une, ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Ok, ok. Et Karl, Karl le fait pas ? Non, Karl l'a fait pas, encore. Ok. Karl, ouais, tu fais pas la cup, en vrai, ça doit être... niveau timing, si t'as joué toute la journée, ça doit être vachement... Avec le décalage horaire, ça doit être la merde. Clairement. Ah, ça commence à quelle heure, ta cup? Aujourd'hui, 14h. Ah, c'est tôt pour moi maintenant. Ouais. Ouais. Ah, t'as toujours les cours, du coup? Ouais, je finis en fin... début mai. Ok, ok. Ah ouais, j'avoue que... La flemme de se lever aussitôt. Exactement. Ça fait quoi? Ça fait genre 8h, non? Si heures, vous peut-être. Faites les maths, là, mon cerveau il est en mode ne pas faire des maths, mais... Allô c'est quoi, c'est 6 décages. Ton cerveau doit être éclaté, Brian, en ce moment, là. Surtout qu'hier, j'ai fait 9h en plus sur la INC aussi. Ah. Là, c'est un week-end à genre 20h de track speed, ah, plus, ah j'ai bien fait. J'arrive, désolé. Un petit souci de micro. Allô? Et sinon, vous pensez quoi de Massa, le nouveau petit prince? Ben, il va gagner beaucoup de 100€, il va gagner des maps, mais en point de vue point, je crois que ça sera pas tant bon. Surtout que, vous voyez, il y a genre notre pire semaine qui est enlevée de nos scores à la fin. Ouais. Ben, lui aussi. Donc, il y aura juste 4 scores qui va compter. Ah, en vrai, c'est... Ouais. C'est, oh, c'est horrible. C'est horrible. mais c'est pour ça que c'est une bêta. Mais genre, aujourd'hui, il y a quoi? Un point? Genre, il se met vraiment pas bien. Hein. J'avoue qu'il a perdu tellement de points sur la dernière map. Bah ça, il a choke la dernière et du coup, il a perdu une trentaine de points. Ouais. Vous avez vu son choke ou non? Je crois pas qu'on ait vu son choke. Non, on l'a pas vu. Par contre, il a choke deux fois en plus dans la game. Ouais. Il a choke une fois, il était à 7. Si, on l'a vu. Si, je crois qu'on l'a vu, mais justement, je me rappelle plus où est-ce qu'il a choke. Mais je crois qu'on l'a vu, ouais. Je crois qu'on l'a vu, ouais. Je me souviens plus exactement, mais ouais, je crois qu'on l'a vu et il a choke deux fois. Il avait 16 secondes, il est remonté à 10 secondes et il a re-choke après, quoi. Il a choke très tôt, hein. Ouais. Ouais, mais au début, genre, je roulais bien, je trouvais, puis j'étais 8ème. J'étais genre, oh non, pas encore. Puis là, je vois plus le tag noir dans le chat, j'étais trop heureux. Ah ouais, mais en vrai, juste. Il y a quand même pas mal de grosses erreurs, si tu joues juste propre, j'ai l'impression que ça passe la majorité du temps, quoi. Yes, mais juste jouer propre, c'est quand même difficile avec ces maps-là. Ouais, parce qu'il y a du gros potentiel de fail, quoi. Ouais, genre les cactus à la fin, il y a comme un bug au début que tu peux te prendre toujours, puis que tu peux absolument rien faire. Donc, moi... Ouais, c'est ça.
Ah, y'a un bug, attends. Je savais même pas. Tu veux bien de le dire, en vrai. Ah, ouais, tu l'as pas eu, quoi. Ouais, bah heureusement. Non, mais c'est super unlucky, mais tu perds genre 15 secondes si ça t'arrive. Est-ce que le viewer est quelqu'un qui a le clip du 360? Moi je l'ai aperçu, mais c'est moi qui l'ai vu. Ouais, je l'ai vu, on avait pas ta vision à toi, on a la vision derrière, du coup on voit... On te voit faire un 3-6 quoi. Alors attends, au pire... Ah, il est sur Twitter. Attends. Oh, va voir. Attends. Le 360. Attends, on va montrer ça. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais on va montrer pour le... Ah oui, au viewer. Nice. J'ai pas vu aussi. Je vais regarder. Alors attends. Oh, du coup, vous avez regardé moi déjà sur. Oui, t'inquiète, okay. Juste le clip. Eh bien, écoutez. Désolé, la qualité des games, mais c'est. C'est Twitter quoi. C'est Twitter. Ouais, c'est sur le tour d'après. Non, Bren, il était... Ouais, c'était au tour 9, non, Bren? Ouais, tour 9. Ok. Oh, mais quelle map c'est de là, merde là. Quand je regarde ça! Si. Regardez bien Bren devant. on voit pas trop parce que la qualité du décor. En plus, tu le. Genre, tu atterris même pas très très bien. Hein. Non, c'était fort quand j'ai sauté, j'étais genre oh non. Oh là. tu atterris juste au-dessus de la pointe. Mais en vrai, t'as eu de la chance que ce soit la première map. Parce que j'imagine que si c'était la cinquième map et que t'avais genre 35 points, tu l'aurais peut-être pas tenté. J'avais de la vie. Ouais, 360 à 100 euros quoi. Peut-être pas worse dans ce cas. Ouais, c'est le lecteur Twitter est un peu dégueulasse. Ouais, quoi. Désolé. Hein. C'est pas le meilleur. Prenez des lecteurs, le clip chat. Ah oui, non, sur le chat aussi. Ah oui, il y a un clip. Ah oui, la qualité est un peu plus propre. Attends. T'étais fini avec combien de points aujourd'hui, Bren? 30 quelque chose. Okay. C'est quand même bon, man, gros. Bah, j'ai pas fait ça depuis pas mal de semaines, donc. Non, mais c'est surtout genre ton entraînement plus genre. Là, il touche. Ah. Oh, ouais, on 34. Ouais. J'ai 34. Regardez bien l'embrouille, tape à gauche. Hop, le 3-6. Ah, vu qu'on avait pas sa POV, on a pas pu le voir direct. il est là, fait, quoi. Man. Le boss. Il est là, ce 3-6. C'est quand même le insane. Boss. C'est quand même drôle. Il le tente, quoi. Bon, bah, très bien. Mais niveau des maps, c'est de laquelle que vous craignez le plus? Ah, c'est peut-être la première, j'imagine, non? Bah, la première, on s'en fout parce que c'est la première map, genre. Ouais, ouais. Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont d'ailleurs mis en premier, quoi. Oui, bah, heureusement, ouais, tu l'as mis en cinquième. Ah, ouais, c'est fou. Moi, c'était vraiment la quatrième map avec la grosse sculpture blanche. Ouais. Genre, le début, faut aller sur les trucs bleus, comme qu'on vous a montré la semaine dernière. Ah, mais c'est trop dur, je trouve. À bien faire 10 fois sur 10, ça fait trop peur. Puis si tu touches un mur, tu peux plus faire la chaîne de saut après. Donc, tu perds trop de temps. Mais oui, j'ai vu qu'en plus, genre 2-3 fois, t'avais deux roues qui étaient sur l'air, mais ça se voyait qu'en fait, juste, tu perdais de la vitesse. Ah, c'est sûr. Mais ça fait tellement peur, cette map-là. Le truc, c'est que le grip est tellement bizarre à prendre qu'à tout moment, tu tournes trop et tu te prends le mur. Et c'est ouais, j'avoue que l'adhérence est complètement différente, quoi. Ouais, clairement. D'un truc à l'autre. Et la map des cactus, celle où vous m'avez mis 2 tours. En seulement 5 tours, cher Patrick. 2 tours sur 5, en vrai. Ça aurait été 4 tours qui auraient été mis. Ben, je la trouve beaucoup plus simple à safe que la quatrième. Ouais. Donc, j'étais moins stressé. La quatrième, c'était avec la grosse structure, là. Oh, ouais, là, de la merde, cette map-là, je déteste. mais je suis vraiment content, moi, j'ai bien joué. Puis j'ai presque pas crash. Oui, j'ai fait un crash sur la deuxième map. Mais je pensais mal jouer cette semaine, mais c'est pas arrivé. Donc, let's go. Et c'est pas qu'il a fait un choke. Parce que Pac, en vrai, à chaque fois, je regarde, c'est tout le temps le top 2 et tout le temps le même, c'est genre Carl et Pac. Pac, là, juste, il a fait mimis erreurs, je pense. Genre, ouais. La dernière. Genre, il me laisse passer. Merci. Mais est-ce que t'avais les ghosts? Mais oui, toujours. Ah, t'as toujours les ghosts? Ok. Ben, pas toujours, mais je. Mettons 50% de la map, je mets les ghosts. Ok. Ouais, ok. Donc, ouais, au début, c'est l'enfer, quoi, j'imagine. Ouais, c'est ça, tu fais pas les ghosts au début. Mais quand je voyais qu'il roulait à 1 km/h, genre à la sortie des derniers cactus, là, j'ai genre, merci beaucoup. Merci pour les 100 euros, ça paiera le 3. C'est ça.
Le pauvre. J'avoue, mais c'est sur laquelle, c'est sur la troisième map aussi qu'il a choke. Bah, il a fait un semi-choke parce qu'il a, il est quand même fini genre 3ème ou 4ème, je crois. Oh, non, il est terminé 2ème derrière moi, genre de 0.5. Ah oui, ok. Mais il est peut-être choke, ouais. Il y a une map où il a fait un choke où il était premier, mais pas largement, mais il a peut-être une d'avance, tu vois. Et il y a eu une map où il a fait une erreur et ça l'a mis genre 4ème, 5ème direct, quoi. Ouais, je crois que c'est celle avec le dirigeable, hein, au moment où t'as jump à la fin, tu sais où. Ah ouais, peut-être, ouais. Mais je, pas, je crois, mais je suis pas sûr. Mais... vous faites tout le temps la course ensemble, quoi. Ouais. Mais ils sont trop forts, ils sont trop trop forts. En plus, alors... genre, ils sont tellement constants les deux. En vrai, comme je disais, t'as tout le temps. Pas enfin, t'as tout le temps, non, t'as pas tout le temps, mais des fois t'as un mec qui vient se glisser. Genre, le dernier map, t'avais. Comment il s'appelle? C'est pas Kappa. C'est... Ouais, Kappa est vraiment solide. Bah, c'est le meilleur en tech présentement. Genre, ah oui, attends, j'ai une question aussi. Parce que je savais pas comment ça s'appelait. La route de base, parce que je sais que la grâce c'est l'herbe et ouais, je savais pas comment ça s'appelle la route de base. Si c'est du tech, mais ça dépend, ça dépend. Que moi on m'a dit tech et moi dans la tête genre... tech c'était genre les maps techniques. Ouais, c'est oui, ça. C'est ah, ça, bon, mais faut qu'il y ait du drift. En vrai, et le drift c'est route. Sur de la route normale, genre. Ouais, tu dis juste route. Ok, ouais, parce qu'au final de... on m'avait dit ça que c'était juste de la route normale. Des blocs. En gros, c'est route, dirt, grâce et plateforme, tu sais, les grandes plateformes grises. Concrètement, c'est ça. Les plateformes, c'est les trucs pour les jumps. Non, tu vois, t'as des grosses plaques grises comme sur la dernière map, tu sais, tu sautes d'une grande plateforme à une autre. Oui, tu sais, quand ça fait des gros jumps là. Ah oui, d'accord, voilà. Ah oui, ok. Souvent, les voitures, c'est ça là-bas, au fond là. Ouais, non, mais ok, je vois. Et genre, niveau adhérence, la plateforme et la route, c'est la même chose, non? C'est la même chose. Ok, d'accord. Ok, bon bah, je deviens un caster en Trackmania de plus en plus aguerri. J'engrange des connaissances. On développe notre vocabulaire. Let's go. Bon bah écoutez, merci pour la mini-interview et puis... Ouais, merci beaucoup, bonne chance à toi, Bren. À la semaine prochaine, yes, pour tester les maps. Yes, good luck, Bren. Ouais, ouais, parfait. À la semaine prochaine. Yes, bonne soirée, guys. Ciao, bonne soirée, merci pour le cast. Vas-y. Ouais, en fait, si tu fermes TS, après je t'entends plus. Ah oui, j'avoue. J'avoue. Bah du coup, les amis, c'est la fin de cette 6ème semaine de la Trackmania Grand League. J'espère que ça vous a plu. Désolé pour les petits soucis qu'on a eu au début. Ouais. Le setup était assez particulier parce que normalement, on casse jamais de l'arène là. Pour les mettons qu'on n'avait pas les micros disponibles, étant donné qu'on avait aussi un event sur Magic. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez apprécié notre casque, qu'on essaye de faire en même temps didactique, en même temps un peu axé sur l'humour, pour que vous appreniez tout en vous amusant. Bah, didactique. Un peu comme Adibou, j'ai envie de dire. On a un le peu cast, Adibou de Trackmania. Le casque Adibou. On a un peu les c'est pas très flatteur, mais bon. En même temps, quand tu dis c'est la catastrophe, tu vas t'attendre à grand chose de mieux. Enfin bon, en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, donc il y aura la suite dans 2 semaines. Dimanche prochain, on va tester les maps encore une fois avec Karl, Bren, Chap et moi-même. Exact. Donc à 20h, on va essayer de faire ça toutes les semaines à 20h. Enfin, toutes les 2 semaines à 20h. Et donc là, on va vous laisser en compagnie de Melon, qui va faire plein de beaux jeux et plein de solo queue. Donc on vous souhaite une très bonne soirée en sa compagnie. Et, exact. Et on vous dit bah du coup à semaine prochaine pour TM, et il y aura donc 2 semaines pour Attraquer la Grand Ligue. Des bisous à tous, portez-vous bien. Et voilà. Et vous pouvez voir... vous pouvez voir le Bren jouer sur la chaîne de Cyrémix, exact. Si ça vous intéresse. Exact, donc Bren qui fait sa finale, donc n'hésitez pas à aller le supporter, à mettre des go Bren dans le chat et ça marche aussi. Go Bren. Des bisous à vous, la finale étant à 21h45. Go Bren. Des bisous à vous et...